La fusillade mortelle à l'aéroport de Francfort pourrait être un attentat islamiste. Le parquet allemand soupçonne le jeune homme arrêté juste après les faits hier d'avoir agi en raison de ses convictions radicales. Il est accusé d'avoir abattu deux soldats américains. D'après des témoins, ce Kosovar de 21 ans, habitant avec son père dans l'agglomération de Francfort, aurait crié « Allah est le plus grand » avant d'ouvrir le feu. Ses voisins ne s'expliquent pas son passage à l'acte. Je pense que c'est quelqu'un de religieux, mais c'est un jeune homme normal. Quelqu'un de complètement normal, on est tous sous le choc. Il était seul, il ne traînait jamais avec les gars du secteur parce que les gars ici ne sont pas des gens bien, ce sont des criminels, ils ont toujours affaire avec la police. Lui, c'était pas le genre, il était très renfermé. D'après les enquêteurs, le meurtrier présumé aurait agi seul et n'aurait aucun lien avec un éventuel réseau terroriste. Employé au centre de tri postal de l'aéroport, il publiait des écrits islamistes sur Internet.